Le West Highland Terrier, ou Westie, est un petit chien sympathique et très courageux. À la base, il a été développé en tant que chien de chasse et est actuellement l'une des races de chiens les plus populaires. Si vous êtes également un fervent amoureux de ce chien et que vous souhaitez en savoir plus sur son origine, ses soins ou ses caractéristiques physiques, alors cette vidéo est faite pour vous. C'est parti! Le Westie est originaire des hauts plateaux de l'ouest de l'Écosse. En fait, la traduction littérale de son nom est « terrier blanc des hauts plateaux de l'ouest ». Initialement, la race était indiscernable des autres terriers à pattes, courtes comme le Cairn, le Dandle d'Inmont ou le Scottish Terrier. Cependant, avec le temps, chaque variété a été développée de manière séparée, jusqu'à devenir des races de chiens à part entière. Le West Highland White Terrier était à l'origine élevé comme chien de chasse au renard et au blaireau et avait des manteaux de couleurs différentes. Fait curieux, on dit que le colonel Edward Donald Malcolm a décidé de n'élever que des chiens blancs après la mort de l'un de ses chiens de couleur rouge, car il l'avait pris pour un renard quittant son terrier. Le Westie est un petit chien mesurant environ 28 cm au garrot et ne pesant généralement pas plus de 10 kg. En général, les femelles sont un petit peu plus petites que les mâles. C'est un chien compact et fort, avec le dos droit, l'échine large et la poitrine profonde. Leurs pattes se caractérisent par leur petitesse, leur musculature et leur robustesse. La tête du Westie est un peu volumineuse et est recouverte d'une fourrure abondante. Sa truffe est noire et légèrement allongée. Par rapport à la taille du chien, ses dents sont grandes et très puissantes. Leurs yeux sont de taille moyenne et sombres et ils ont une expression intelligente et alerte. En général, le visage de ce chien est doux et amical. La queue est l'un des éléments les plus appréciés de l'apparence du Westie. Elle est recouverte d'un abondant poil dur, elle a la forme d'une petite carotte et mesure entre 12,5 et 15 cm de long et ne doit en aucun cas être coupée. Cependant, la caractéristique la plus remarquable de cette race est sans aucun doute son beau manteau blanc, la seule couleur acceptée. Son manteau est divisé en deux couches, une interne avec des poils durs et rêches et une externe composée de poils doux et denses. Courageux, coquin, très sûr de lui et dynamique, le Westie est peut-être le plus affectueux, le plus sociable des chiens terriers. Même s'il faut toutefois que nous gardions à l'esprit que c'est un chien un peu brut, car il a été conçu pour chasser des animaux dangereux tels que les renards. Bien que cela dépende de chaque animal, le Westie a tendance à avoir des relations parfaites avec les autres chiens grâce à son tempérament équilibré et amical. Bien sûr, il est important de le socialiser correctement depuis l'enfance pour lui apprendre à traiter avec d'autres animaux et d'autres personnes. D'autre part, ce chien merveilleux peut également devenir le compagnon idéal des enfants puisqu'il aime souvent passer des heures avec eux. Dans ces cas-là, il est essentiel d'éduquer le chien et l'enfant pour qu'ils apprennent à se respecter l'un l'autre et ainsi jouer sans se blesser. Ce chien a tendance à aboyer et à creuser, surtout s'il passe de nombreuses heures seul à la maison ou s'il s'ennuie. C'est donc un excellent animal de compagnie pour les personnes actives qui pratiquent des activités en plein air, mais qu'on ne recommande pas du tout à ceux qui préfèrent le silence et la tranquillité. En bref, c'est un chien à la forte personnalité, courageux et déterminé malgré sa petite taille. Actif et affectueux, il aime se sentir au centre de l'attention. La peau du Westie est un peu sèche et lui faire prendre des bains trop régulièrement peut le rendre vulnérable aux éruptions cutanées. Pour éviter ce problème, vous devriez le laver une fois par mois ou tous les mois et demi avec un shampoing adapté à la race. Après le bain, vous devez lui sécher les oreilles avec une serviette car c'est une partie du corps qui nécessite un nettoyage régulier. La couche de poil externe de ce chien atteint généralement 5 à 6 cm. Il est donc essentiel de le brosser régulièrement. Bien que l'entretien de sa fourrure ne soit pas excessivement compliqué, il est vrai qu'elle a tendance à se salir facilement en raison de sa couleur blanche. Par conséquent, il est conseillé de lui nettoyer toujours le museau et les jambes après qu'il ait mangé ou joué. Pour nettoyer ses zones, vous pouvez utiliser une lingette pour bébé. Il est également important de faire attention aux canaux lacrymaux du Westie et de bien nettoyer les châssis accumulés pour ainsi éviter les taches brunes. Pour ce qui est de l'exercice, ce n'est pas un chien qui a besoin d'en faire beaucoup. Mais un minimum de 2 à 3 promenades quotidiennes combinées à des sessions de jeu sont nécessaires pour le maintenir bien stimulé. En raison de sa taille, vous pouvez lui faire faire de l'exercice à l'intérieur. Mais c'est un chien qui aime faire des activités en plein air. En outre, il est essentiel de lui fournir toute la compagnie que sa nature sociale et affectueuse requiert. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Westie est un chien qui a tendance à bien s'entendre avec les autres animaux et avec les gens tant qu'il a été correctement socialisé. De cette manière, il est essentiel de ne pas l'adopter avant au minimum ses 2 mois, car c'est avec sa mère et ses frères et sœurs que commence la période de socialisation. Une fois dans sa nouvelle maison, vous allez devoir poursuivre le processus dans tous les environnements que vous allez fréquenter. Il convient de noter que son fort instinct de chien de chasse fait de lui un chien inapproprié pour vivre avec des petits animaux, car il a tendance à les chasser. Quoi qu'il en soit, tous les Westies sont différents, il est donc possible d'apprendre aux vôtres à tolérer vos autres animaux de compagnie. La forte personnalité de ce petit chien a conduit beaucoup de personnes à penser qu'il est difficile à dresser, mais c'est un chien très intelligent qui apprend vite quand il est dressé par le biais du renforcement positif, avec des méthodes telles que l'entraînement au clicker, les friandises et les récompenses. Il ne répond pas bien aux techniques de formation traditionnelles, basées sur les punitions et le renforcement négatif. En outre, étant un bon aboyeur, il est important de l'éduquer afin qu'il apprenne à bien gérer ses aboiements. Le Westie est un chien toujours alerte, conscient de son territoire et prêt à le défendre.
C'est donc un excellent chien de garde. Le chiot Westie est particulièrement vulnérable à l'ostéopathie crânio-mandibulaire, une maladie caractérisée par une croissance anormale de la mâchoire. Cette maladie est génétique et devrait être traitée correctement avec l'aide d'un vétérinaire. En raison des caractéristiques de sa peau, il fait partie des races de chiens les plus exposées aux dermatites, en particulier la dermatite atopique. Les autres maladies dont souffre généralement ce chien sont la leucodystrophie à cellules globoïdes, d'espoisse des globoïdes, la maladie de Leigh-Calvert, l'otite, la cataracte et la luxation rotulienne. Pour prévenir et détecter tout problème de santé, il est nécessaire de rendre visite au vétérinaire régulièrement, de maintenir son calendrier de vaccination à jour, ainsi que son déparasitage. Si nous offrons tous les soins dont il a besoin, notre Westie pourra très bien nous accompagner durant 12 à 16 ans. Notre vidéo se termine là. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner. À bientôt sur Planète Animal.